looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control when we feel like the world is against us. We're trying to find ourselves without the defining words. We can no longer hold on to what only makes us hurt. Salut Kalanas. Salut Maoka. Heaven's an angel.
Comment ça va les gens? Ouais, quel ananas, ouais. Allume-le. Super. Au revoir, Megan. Ah non, ça va. Ouais, je suis en train de télécharger BlueStack, je sais pas trop quel émulateur prendre, j'ai pris le premier qui venait. Alors je tiens à m'excuser auprès du peu de viewers qui est présent, sans compter tous ceux qu'on défollow à cause de ces deux dernières semaines de stream complètement pourri, faut le dire. Ah bah je sais pas, y a quelqu'un qui m'a dit que ça marchait très très bien sur émulateur. Bon, bah écoute, je sais pas. Apparemment il y a quelqu'un qui joue sur émulateur, je sais plus si c'est Darkfizz ou... De toute façon je vais essayer. Apparemment c'est toléré sur Wok. Déjà essayé, genre les écritures sont cryptées. Bon écoute, si Darkfizz revient, je lui demanderai quel émulateur il a utilisé. Enfin, on m'a dit que ça marchait très bien sur émulateur, donc soit l'émulateur qu'on a choisi tous les deux, c'est pas celui qui convient. Salut Galactic Raid, bienvenue sur le stream. Soit il y a un souci quelque part avec des trucs quelconques. Bon, et sinon je peux jouer parce que là je vais me faire démonter par une team pourrie en fait. Ah, oh, mais tu vas pas me faire le coup du 1 PV à chaque fois quand même. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Vraiment une team pourrie, je suis dans le coma. Je fais du PVP de merde. C'est pas grave. Salut Luffy, salut Skydy.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Là. Salut Luffy. Bluestack, ouais, je sais pas trop quoi prendre comme émulateur. Apparemment, il va bien me dire que c'est bon ou pas. Ça y est, il a fini le DL ou pas? Bon, je sais pas pourquoi, apparemment. Non, il a pas fini le DL encore. Bah écoute, on fait aller Luffy. Une team qui marche pas mal en GVG, tu devrais tester. Eladriel, Kona, Lushen. Si ton Kona est assez rapide et en violence, c'est déchirant. Bah mon Kona Mia il est rapide, il est à plus de 200 de speed, mais il est pas en violent par contre. De toute façon, je vais tester, je verrai bien. Il y en a d'autres, hein, tu sais. Il y a Andy comme émulateur aussi. De toute façon, des émulateurs, il y en a tellement en fait que. Salut, Wescore! Andy, c'est celui avec lequel j'ai commencé à jouer sur Summoner's War. J'ai fait 3 jours dessus parce qu'on m'a dit que c'était pas bon les émulateurs. Mais a priori, à part le fait que ça laguait un petit peu, enfin ça faisait comme des freezes, c'était pas trop gênant. Mais bon, assez désagréable, mais pas gênant. Et puis bah après j'ai arrêté puisque on m'a dit que les émulateurs c'était pas top avec Come to Us. Ouais, je serais peut-être Nox aussi. Hein. Bon, de toute façon, hein, tu sais, j'essaye. C'est déjà bien, j'arrive à télécharger en même temps que je fais un stream. Alors c'est sûr que ça télécharge à deux de tension, hein, mais oui, mais c'est pas pour Summoner's War, Wescore. D'ailleurs, je t'invite à arrêter tout de suite de jouer à Summoner's War sur émulateur, parce que par contre, comme toi, eux n'aiment pas du tout ça, et c'est passible de ban. Alors je sais qu'apparemment il y en a qui disent que y aurait apparemment. Un petit peu de relâchement chez Come to Us où apparemment ils acceptent un petit peu plus les émulateurs, mais perso j'aurais pas spécialement confiance. Ça passe maintenant? D'accord.
Alors sinon, ma Hawaii étant violente, hein. Tu as pas proc une fois. T'as pas de téléphone. Ah oui, ça je sais que c'est un peu plus chiant Westcore, mais bon, apparemment, de ce que les gens disent, il y a des gens qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça marche pas. Après, perso, je sais pas, je prendrais pas trop de risques à ce niveau-là. Salut Aliaza, comment vas-tu? Toute façon, il y a tout qui merde en ce moment. Mon stream, il part en couille. Moi, je pars en couille. Ma connexion, elle part en couille. Mes bots, ils partent tous en couille aussi. Tout va bien. Entre il y a 3 jours et aujourd'hui, j'ai perdu 10 viewers. J'ai perdu 10 followers, pardon. Parce qu'apparemment. Il y en a qui aiment pas trop avoir des. Quand apparemment tu rates un ou deux streams, les gens se barrent. C'est assez comique en fait. C'est War of Crown. Franchement, écoute, je pense pas arrêter réellement SW, mais je pense que je vais ralentir SW parce que War of Crown offre des possibilités, certes, de gros farm, mais beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intéressant comme farm. Parce que là, par exemple, nous, il faut qu'on farme de la bouffe pour passer un mob au niveau d'étoiles au-dessus. Dans War of Crown, en fait, il te faut ce que nous on irait chercher sur SW, il faut des essences, tu vois. Donc les essences sur SW qui sont destinées à éveiller un mob, en fait, ça te permet d'augmenter le niveau d'étoile de ton mob, et après tu le pexes normalement. Après tu chopes des petites pièces d'armure que tu peux faire évoluer tel un mob en fait, en lui filant d'autres objets à manger, et ainsi de suite quoi. Franchement, il est vraiment vraiment très très sympathique. Moi j'accroche beaucoup sur Wok. Merci Westcore pour le follow et merci pour le retour, ça fait plaisir. Salut Mist, comment vas-tu? Oui, non, mais c'est sûr, Scaly, c'est qu'il faut pas qu'il t'arrive quelque chose hein, en fait hein, dans ta vie, hein, parce que sinon. Mais franchement, salut Me, parce que, putain, entre Mle et Me, j'ai même pas vu en fait. Excuse-moi, bienvenue à toi, comment vas-tu? Et non non me et enfin le franchement le WoW est vraiment très agréable à jouer. Moi j'aime beaucoup, c'est très sympathique. Ce petit côté un petit peu de donjon et dragon. Alors Dodi il veut que j'aille faire Dodi il veut que je parte en raid, j'ai pas envie. Je suis pas motivé pour Doron, je vous le dis tout de suite, en ce moment c'est plus une grosse merde qu'autre chose. Je suis vraiment à l'agonie. La preuve, hein, je lance mes streams à 17h, tout va bien. C'est un fan, t'inquiète pas, lol. Ouais. Enfin bon, en tout cas, franchement, tablette égale SW, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis en train de faire ça. Comme ça permettra aux gens justement de pouvoir continuer. Enfin, moi, ça me permet de continuer à farmer à gauche à droite. Je suis désolé Dodi, mais si je refuse, je suis pas motivé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, on va faire ça tranquillou. Alors par contre, tu vois un truc qui est un peu chiant sur, enfin un peu chiant. Non, c'est pas chiant, mais que je trouve un peu bizarre. Sur le Windows 10, maintenant tu peux avec le Windows Store, tu peux acheter, enfin acheter. C'est pas comme ça que je veux le formuler. Tu peux télécharger des applications qui marchent avec les applications de tablette. Mais par contre.
tu ne peux pas jouer à toutes les applis que tu veux. Ah putain, je suis dans le coma, je sais même pas si vous avez compris ce que j'ai dit, faites pas attention. Je suis à moitié saoulé. Du gros 5 nattes? Ah, peut-être, Wescor, tu sais, les 5 nattes avec moi, j'ai tendance à en faire pop pas mal pour les viewers. Alors je sais pas si tout le temps, mais pourquoi pas? En tout cas, voilà, pour tout ça pour dire que 8 mois de SW, 8 mois de SW, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va quand même ralentir un petit peu parce que pour dire la vérité, là je suis un petit moment charnière sur SW où en fait, à part peaufiner les runes, les mobs et compagnie, j'ai plus grand chose à faire. Non, pas du tout. En fait, tu vois, par exemple, là, sur SW, je joue à SW sur ma tablette et je peux télécharger des applis style le Swar Farm, le Rune Opti ou ce genre de trucs. C'est ça, tu peux le faire. Mais par contre, ce que je comprends, pourquoi ils ont pas fait un truc du style où tu peux directement télécharger l'application sur ton ordi et jouer directement dessus, quoi, via le Windows 10, puisqu'apparemment on peut télécharger des applications qui marchent avec d'autres. C'est un peu space, mais bon. Merci, me, pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais, pas de soucis, ce qu'il dit. Non, franchement, moi je conseille beaucoup aux gens qui aiment un petit peu ce jeu un peu farm de ce jeu un petit peu farm de comme SW. En plus, ce qui est bien, petit aparté, ce qui est très bien dans War of Crown, c'est que tous les mobs que vous allez avoir, salut Sun, tous les mobs que vous allez avoir, en fait, vous vous prenez même pas la tête avec, ce n'est que du skill up. C'est que du skill up. Ou de la bouffe à XP. Point barre. Il y a pas de, t'as pas besoin de garder des mobs pour les utiliser, pour passer un mob de 3 à 4 étoiles. C'est rien à voir. C'est ça que j'ai adoré en fait, c'est que t'as des mobs. Les mobs ils sont là, mais que pour du skill up quoi. Et ça je trouve ça génial. Plus à se prendre la tête. Dès que t'en as un, en gros, tu peux le foutre direct si ça t'amuse. Tu t'es pas emmerdé, t'es pas obligé de le monter, t'es pas obligé de tout ça, tout ça. Je trouve ce contexte plutôt intéressant. Ce concept, du moins, plutôt intéressant. Alors le jeu est pas, pour l'instant, vu qu'apparemment le jeu doit avoir, je crois, 15 jours, 3 semaines. En tout cas, pour ceux qui aiment ce côté un petit peu donjon et dragon, un peu Dofus, tour par tour. C'est franchement, j'ai vraiment, c'est ça, plutôt le tactical RPG. Ouais, j'aime beaucoup moi ce concept. Du coup, j'ai bien accroché. Alors au début c'est un peu le bordel. Faut dire ce qui est. Au début, tu rentres là-dedans, tu fais, il y a beaucoup de skills, il y a beaucoup de mobs, il y a beaucoup de tout ça, tout ça. Et en fait, c'est au début tu cherches pas à comprendre, tu fais le scénario en mode no brain, et après tu te rends compte que c'est très bien expliqué, en plus c'est très basique, c'est très simple, il y a pas 200 trucs. Le mec il va te dire comment évoluer un monstre, bah en fait c'est pas compliqué, tu lui donnes d'autres monstres, point, merci, au revoir. Comment prendre du pex, bah tu lui files des, alors il y a le même principe que les Angemons, les Arcémones, les Devilmon. Il y a exactement le même principe, sauf que là en fait c'est 100 fois mieux. C'est pas que c'est 100 fois mieux, c'est que c'est différent. Tout simplement. Faut pas non plus descendre SW, qui reste quand même un très très bon jeu. Mais voilà, comme je disais, au bout de 8 mois, je commence un peu à être à un moment charnière où à part farmer en boucle, il n'y a plus grand chose quoi. Merci Myst pour le follow. Bienvenue à toi. Hey, salut Sun, bien et toi? Pas spécialement Sword Art Online, Alia. Moi je dirais plutôt un petit mélange de Donjon Dragon, Dofus. Qu'est-ce qu'on pourrait voir en plus? Ce petit côté quand tu commences le jeu un peu à la Tale of avec quelques cinématiques mode.
avec quelques cinématiques mode tail off anime, tu sais. Oui, BlueStack, alors apparemment, je sais, tout le monde me dit que ça déconne à mort avec BlueStack, donc on va essayer avec BlueStack. Si ça marche pas, on téléchargera Andy, je sais pas quoi. Puis sinon, il doit bien y en avoir d'autres. Hein. De toute façon, à la rigueur, je sais même pas pourquoi je reste sur BlueStack, puisque ça télécharge déjà tout seul. On va agrandir un petit peu ça, voilà, on va faire ça en mode moi le yen. En plus, ce qui est vraiment pas mal, par exemple, juste un truc pour ceux qui connaissent pas, c'est que, genre par exemple, t'as besoin d'un mob de tel ou tel élément, t'as pas à te faire chier à courir partout dans le scénario, en fait, tu farmes toujours. Toujours le même endroit, et en fait le mob que tu vas choper c'est toujours le même, mais l'élément change. Du coup tu vois, par exemple moi hier j'ai voulu un heal, j'ai farmé une fée, je voulais la dark absolument, bah en fait j'ai farmé toujours le même endroit jusqu'à temps que ça soit la dark qui tombe. Du coup au passage j'ai pu la skill up à fond. Et ça je trouve ça génial aussi, tu vois, t'as pas besoin de farmer à 200 endroits différents, quoi. Tu regardes ce que tu veux comme mob, tu farmes jusqu'à temps que ça tombe de l'élément que tu veux. Andy, je l'ai DL 2-3 fois, ça m'a toujours saoulé. Je le trouve vraiment nul, du coup je suis passé sur Nox. Bah écoute, j'essaierai. Salut Didou, comment vas-tu? Un jeu de casual? Ah non, du tout. Effectivement, de toute façon, je veux dire, tous les jeux à l'heure actuelle, tu peux les jouer en casual. Il y a pas là-dessus, il y a pas de souci. Mais par exemple, salut Azrael, je parle de WoW, War of Crown. En fait, si tu veux, sur SW, tu peux refiler avec 30 cristaux. Donc t'as le même principe sur WoW. Où tu peux refiler. Alors là c'est pas des cristaux, ça s'appelle des grenats, mais bon c'est exactement le même principe, sauf que les grenats t'en gagnes entre guillemets des quantités folles, puisque à chaque fois que tu fais une partie du scénario on va t'enfiler, parce que t'as des petits défis, genre pour ceux qui connaissent Dofus, vous savez qu'à chaque fois que vous rentrez en combat, à gauche vous avez des bonus de défis au fur et à mesure. Bah là c'est le même principe. On vous dit, voilà, sur tel endroit de map, il va falloir réussir à passer sans mort de héros, sans utiliser un mob ami, avoir des héros d'un tel ou tel niveau, et donc tu gagnes ces fameux grenats. C'est ça, c'est exactement le même principe, les challenges. Bon, les challenges, tu les as qu'une fois, hein, c'est la première fois que tu fais le scénario. Et en fait, les refils, c'est 10 grenats pour une refil complète. Alors que chez nous, sur SW, c'est 30. Et du coup, en fait, t'en gagnes vraiment, vraiment pas mal. Bah écoute, Sun, perso, moi j'ai fait 3 fois, j'ai utilisé 3 fois, quoi. Salut Ori, t'as un nouveau 5 nat. T'as pas aimé Wok, Didou? Bizarre. Je peux comprendre, hein. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ouais, mais moi j'ai fait trois invoques de 300 grenats, et comme ça c'est maintenant je fais plus, quoi. Ah merde, un verre des jeunes follow et je quitte ce stream. Salut Wao. Ah ça va, je l'ai eu la semaine dernière. Donc du coup, je pense qu'on va ralentir un petit peu, SW et on va se retrouver sur WoW.
Et donc du coup pour en revenir à WoW, en fait non non c'est tu peux y jouer en mode casu comme tu peux y jouer en mode bourrin quoi, en mode gros farmer. Et en plus ce qui est vraiment bien, c'est que à chaque fois que tu passes de niveau, c'est l'énergie se cumule. Ça veut dire que tu ne reviens pas uniquement qu'à ton maximum, comme sur SW, genre à 90 points max, tu up de niveau, il t'en restait encore 20. Là, bah en fait, ça va te redonner tes 90 plus les 20 qui te restaient. Donc du coup, c'est nice. Ça va, waouh, tranquillou. On fait aller. T'as eu chaud? Nice. Ça, c'est excellent. Hein. C'est excellent chaud. Ça, c'est fait. Arène, c'est fait. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'était. Salut Sarah. Ah ça y est, j'ai enfin un verdé qui ressemble à quelque chose en violent lame, en violent revenge, pardon. Chaud en raid. À la rigueur, je dirais vraiment si t'as rien quoi, parce que il t'apporte rien en raid. De toute façon, en raid, toi, tu peux pas glance, mais il t'apporte strictement rien en fait. Tu peux pas le poser des dots. Ouais, pour un niveau 35, il est pas dégueu, mon verdé. Le seul truc qu'il faut, c'est juste que je, c'est juste qu'il faut que je le, il faut que je le meule en speed en fait. Et que je finisse de le monter 40, du coup il sera dans les 22-23 KHP, c'est plutôt pas mal. Je me suis un peu fait chier, mais du coup c'est cool. Alors attends, par contre j'en ai pris à up des runes sur quelqu'un, mais je sais plus qui. Il fallait que je finisse sur Shazoon. Bah ça après Sun, les parchemins et tout, franchement bah, moi j'ai bien aimé faire des petites summons comme ça en mode bourrin. Donc là du coup on télécharge un petit émulateur et puis après on repassera sur on passera on gardera les deux je pense. Ok Sun, pas de soucis, des bisous, bon après-midi à toi, bon courage pour ta vidéo, ciao ciao. C'est fait. Celle-là, on s'en fout, ça on s'en fout. Hein, petite Chazoon a enfin ses 30K HP. C'est pas une Chazoon de compète, hein, c'est moi qui vous le dis. Mais... Ouais, pas de soucis, Alia. De toute façon, je sais même pas combien on peut en mettre. Il y a pas mal de gens qui vont passer, je pense. Du coup, je regarde, mais je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi. GG Sun niveau 10. Du coup c'est bien, mais toutes mes runes en fait elles sont montées. Ah non tiens, j'ai pas monté celle-là en attaque. Parce que ça serait vraiment worse. Ça
passer 100 et je vais monter, je vais prendre 36, 36 de 36 d'attaque. Ouais, je sais pas si c'est 800, 2450, ouais, 2450 d'attaque, ça peut être pas mal sur Wayne. Combien j'ai de mana? 60k. Là, je vais commencer à meuler mon Verdé en fait, pas trop me faire chier. C'est pas mal, hein. Enfin, j'ai presque max, ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas d'attaque là-dessus. Dommage. T'as lâché 200 cristaux pour refill shop et t'as pas eu tes 5 morceaux de Light and Dark? Ah oui, effectivement, ouais, un peu déçu. Ouais. On va essayer de le gaver en attaque, en meule d'attaque, le petit Verdé là, même si comme ça fera un petit peu un poil plus de dégâts. Même s'il a pas de dégâts crit. J'ai plus de place, Didou, en friend list. Enfin, quoique, attends, je te dis ça, mais je vais regarder. Ça se trouve, il y a peut-être des mecs qui m'ont viré. Non. J'ai plus de place, Didou. Ah, mais je peux tester mon Verdé maintenant, en dragon, au passage. Histoire de voir. Maintenant qu'il a ses runes, le loulou. Super, j'ai oublié mon café avec le ventilo, il est froid. Dis-moi, Aspi, tu comptes faire un bis summoners bientôt où je peux craquer? J'ai pas compris, la WoW, je comprends pas trop la question là. C'était quoi la question en fait? Comptes-tu faire un autre... Ah, une autre big summon session! Ah, là une grosse là comme ça? Comme on avait fait le 31 mars? Je pense pas. Enfin là du moins c'est pas d'actualité. Mais là je vais faire une je vais faire la summon session de Mle si tu veux WoW si tu veux te joindre à lui. Parce que niveau grosse summon non, il y a rien de prévu au niveau guild et compagnie pour l'instant. Ouais, mais quand tu veux, waouh, quand tu veux. Tu me fais signe, y'a pas de soucis. Bon, bah... Ok, j'ai perdu quasiment une minute au run, on est content du Verdé.
Non, je déconne. J'en étais où, moi? J'en étais au 67 en hard. Je vais passer, tiens, allez, hop, on va passer sur le normal. Faire ça en mode... chaîne basket si je le remplace par Megan, j'ai plus de buff attaque. Kalanas, je sais pas si non, j'ai dit que j'ai perdu une minute, mais là il y a quasiment rien qui est passé. D'habitude je suis dans quasiment dans le même temps de ce que je fais d'habitude. Salut Sarki! Comment ça va? Ouais, je sais, mais je run moins de ça avec la team de base, Kalanas, donc. Ça va et toi? Lol. Bon, ça va, c'est cool. Ah, et on peut pas tout avoir, Sarki. Effectivement, après. C'est pas marqué. Ah si, c'est Spectrum Shine, apparemment. Sinon, c'est les playlists de NCS. Tarky. Lol, wow. Dans le café est froid là, ça y est, c'est bon. Là. Du coup, va falloir que je le refoute au micro-ondes. Mais je te rassure, hein, il pleut, hein, il pleut chez moi aussi, hein, wow. Ça arrête pas depuis 2 jours. Sur Europe, Sarki. Non, moi j'adore la pluie de toute façon, donc limite, ça me dérange pas. Mon Wizbot qui part en sucette. Ça va, on nous a pas fait en sucre, on a de la marge. Salut Nezip, comment vas-tu?
Ça pleut de l'eau qui mouille, ouais. Bah écoute, on fait, allez, Nesdip, ça va, ça va. Allez, salut! Comment on change les mots de passe? Bah, tu vas sur le Hive. Tu vas sur le Hive et sur ton compte. Plus, oh, bon courage pour le taf. C'est une playlist NCS, Sarki, ouais. Oh, lol. Horrible, c'est tout dans la finesse. Si tu mets basalte, enlève Bella et mets Véro ou un autre contrôle à la place Sarki. Parce que si tu mets Verdé, du coup basalte va jouer vachement plus rapidement et avec les contrôles de Barreta, enfin si t'as que ça en contrôle à la rigueur, moi je ferais Barreta. Ah bah d'accord. Bah tu fais Barreta, Véro, basalte, Verdé et Mav. Par contre, il faut Mav. J'avais pas. J'ai lu Véro et je suis même pas. Je retiens pas. Barreta, Véro, Verdé, Basalt, Mav. Ça serait plutôt pas mal. T'as pas Mav? Bah à la place de Mav, faut que tu mettes un autre contrôle. Un truc qui taunte. Bah de toute façon t'as. La basalte qui fait un peu le taf de Mav sans la réduc CD. Je sais pas, je mettrai un contrôle de plus quoi. Histoire d'être vraiment tranquille. Je sais, après je connais pas ton compte, donc c'est pas facile de dire ce qui tu pourrais mettre quoi. Genre je sais pas, un Vérade, un Poséidon, un Tyron, un truc en Despair qui peut faire plus de contrôle, enfin qui peut rajouter du contrôle quoi. Un Train par exemple, ou un Emos, ça peut être pas mal aussi. Les faucheuses, faucheuses haut ou faucheuses haut ou faucheuses dark. Ouais, Spectra au pire aussi pour avoir le slow et un peu de DPS en plus. Salut Feed, comment vas-tu? Non, Sigma c'est pas assez tanky pour faire la Toa. Enfin,
Enfin, tu vas t'en servir à un moment, mais après, parce que tu pourras pas faire toute la toile avec. Sigma, c'est le genre de mob, ça se fait tout shot, donc. Ah, GG, Fid. Bah écoute, on fait aller. Là, en ce moment, c'est pas la grande forme, mais on fait aller. Sinon, pour mon homonculus, je suis encore dans le farm du troisième skill. Alors en fait, quand tu l'invoques, tu as obligatoirement le feu, et après, en fonction de ce que tu farmes, c'est toi qui choisis ce qui va devenir en fait. Mes teams, bah j'attends, je vais te les montrer parce que je les connais pas. Alors je sais, non, mais c'est pas à jour, mais faut que je refasse les commandes. C'est gentil en tout cas, merci. Ça c'est ma team O. Plutôt pas dégueu, c'est sympa. Enfin moi pour l'instant ça me suffit comme ça. La baie de feu j'ai pas refait depuis du coup le Tark est plus d'actualité puisqu'il a été déruiné, il est dans mon stockage. Et l'avant, c'est pareil, l'avant je l'ai pas refaite depuis un moment. Ouais, je sais, c'est honteux, hein. Salut Tyrkor, t'as eu le temps noir au fait à Kalanas ou pas? Slota. Linux. Salut
C'est la course, j'ai rien le temps de faire sur SW. Salut man. Deathman. Ça va? Ouais, je suis un petit peu, comme je disais tout à l'heure, je suis un petit peu à un moment charnière là, je pense que je vais ralentir un peu SW. Ça va. Ça va, ça va. Ok, me le tout. Ah bah ça y est, hein, l'autre il a fini de DL. Blue Stack, Nox pour jouer à Wok en même temps. Mon dernier 5 net, Artamiel, Desman. Bon, après, j'en ai pas 50, hein, j'en ai 4. Ok, c'est bon. Ouais, le truc, t'as même pas fini l'installation qui fait déjà bugger tout le PC, quoi. Artamiel, il compte pour 5. Le...
Oui, en plus, je suis un peu con parce que j'ai téléchargé un émulateur Android, mais j'ai pas de compte Android. Je sais pas si ça va marcher. Putain, c'est la merde. Salut Yoshimo, bienvenue sur le stream. Lol. Sur Imal Tueur. Ouais. Ça y est, j'ai même ma souris qui part en sucette. C'est bien, voilà, tout va bien en ce moment, c'est magnifique. Un vrai petit bonheur! Ouais, pas de soucis. De toute façon, après mon énergie, je pense que je vais passer sur WoW. Continuerai la toa après. Désolé, c'est normal si les. Si le. C'est normal si le. L'écran de. Si le mirroring part en sucette, c'est normal. 5 fight 5, ça serait parfait. Lol.
Salut Titi. Pour l'instant non, enfin j'ai toujours eu la flemme arrivé vers le 95 des semaines en fait. Pourquoi ça bug comme ça? C'est parce que c'est en train d'installer en fait le truc là, donc du coup c'est un peu le bordel. C'est normal. Faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'utilise cet émulateur, enfin ce mirroring là, puisque de toute façon, celui-là marche mieux. Donc oui, je disais non, j'ai toujours eu la flemme de continuer le Toward, arriver au 95. Ouais, moi aussi j'en ai un. J'en ai eu qu'un pour l'instant. En 35 invoques, j'en ai eu qu'un. Par contre, j'ai eu pas mal de catnat qui ont pas l'air dégueu. Pareil, enfin moi c'était sur le premier pack, mais pas la toute première invoque gratuite. J'ai pas fini encore, loin de là. J'ai commencé il y a pas longtemps. Alors, voyons voir, on va passer sur le compte de Mleu. C'est bon, je peux me comme Mleu ou... Ouais, vas-y, prends ton temps. De toute façon, moi ça va partir en sucette le temps que ça DL, donc...
Décolleux, le gros salaud, tu sais. Salut Tibet, ouais, nouvelle petite application War of Thrones. Ouais, mais j'en ai, t'inquiète, Ori. Salut Zikou. War of Thrones, c'est un petit tactique RPG, un plateau, un peu un mélange de Dofus et Donjons et Dragons, un truc un peu dans le style. Très sympathique. À voir, à jouer, c'est prise en main assez facile, rien d'exceptionnel. Moi, je le garde. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, parce que attends, du coup, je connais pas moi tout ça. Ouvrir, parce que de toute façon, il y a encore du DL donc. On va juste mettre le DL en pause, de façon à faire la petite summon à... De faire la summon à notre ami Mleu. Vends-moi du rêve. Écoute, je peux te vendre du rêve. Johan, je lui ai encore fait pop un 5 nat. Donc effectivement, je peux te vendre du rêve. Déjà, je vais me co. Oula, oula, oula. Où est-ce qu'on règle le son là-dessus? On peut pas régler le son. Ah, c'est celui-là. Du coup, ça, je me co avec ton compte. Oui, je sais, voilà. Donc là, ça repart pour du DL. Donc forcément, la co, elle va partir en sucette, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi j'ai cliqué, j'en sais rien. Un problème de co, forcément. Attends, je vais fermer ça déjà, comme ça. Voilà, ça va pas me prendre la tête. On va se reco avec le bon truc aussi, ça serait plutôt pas mal. Ah, tu vas venir là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc j'ai fait pause comme ça, il n'y a pas. Hop, on va faire ça comme ça. Donc on a deux légendaires, deux light and dark, 35 mystiques. Je te fais les pierres ou pas, Mle? Ah.
Oui, les pires, d'accord. Alors, c'est parti. On attaque avec donc, les petits mystiques. Et premier mystique, c'est parti. Ça me gênait. Allez, première étincelle, un petit 5 nat là. Non, ça sera une petite, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Mais ça fera du skill up. Ça, c'est bien cool. Donc, première étincelle, rien d'exceptionnel, mais on y croit. Allez, c'est parti. Alors, un petit Mao. Un petit Franky pour du skill up aussi. Bande de crevards. T'inquiète, la mienne suffit, m'le. Une petite Amazon. Allez, deuxième étincelle, Genkidama. Allez, un petit Lushen. Je ne sais pas si t'en avais un, sinon ça t'en fera deux. Voilà, ça c'est fait. Un petit Lulu. Auric a rendu les étincelles au bon moment. Donc ça c'est plutôt cool. Petit Lushen pépère. C'est toujours bien d'en avoir un deuxième. Un petit requin coursier. Allez, encore une étincelle, on y croit. Un petit 5 nat, non, ça sera un petit Julien, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui est pas dégueu en fait, hein. Moi j'en ai un dans mes reps qui est monté, c'est sympa. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt cool. Ça battra pas Guillaume. Bon, j'ai rien dit. Alors, on continue. Un petit chat martial, ça c'est pas mal pour les fusions de skill up. Encore un petit maître ivre. Allez, encore une étincelle. Allez, un bon truc là, un 5 nat, je suis sûr que ça va proc un 5 nat. Et ben voilà, suffisait de demander. La petite Praa qui va bien. Voilà. Voilà du rêve. Voilà du rêve. Une petite Praa pour notre ami Mle avec le double Lushen. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, en PVP, tu vas pouvoir te faire plaisir. Je savais qu'il allait avoir du 5 nat. Je le savais. Donc ça c'est plutôt cool, en plus elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Donc ça c'est plutôt cool, on continue. On est dans les procs hein, quand même. Hein. Je dirais qu'on est même, on a même explosé le quota de proc déjà rien qu'en 15 vélins. Donc ça on s'en fout de celle-là. Ouais, la petite Praa, bien sympa quand même. Rakuni qui va pas servir à grand chose. Pas mal de mobs fusion, si tu veux du skill up, c'est cool.
Allez, encore une étincelle, on sait jamais, 2, 3, 5 nattes d'un coup, là, non, allez, une petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, une sylphide O, mais je connais pas son nom, éveillé, ça peut être sympa, avec son heal 100%, ça peut être pas mal, sinon ça fera du skill up. Lumière ici, ah, d'accord, ok, voilà, merci. Donc on continue. Ça fera du skill up aussi ou de la food. Tu vois jusqu'à quelle heure, Skelly? Ouais, Bernard, c'est cool, tu vas pouvoir farmer ton GB10, Humble. Lucien Bernard, t'es bon là pour GB10, c'est pas mal. Bon, 9 vélins, 9 vélins, allez, 2 étincelles. Et encore deux petites étincelles, je pense que c'est jouable. Au moins une, c'est quasiment sûr. Deux, ça serait le top. Petit expert en art martial qui ne sert à rien. Allez, étincelle, la première, on y croit. Bim, allez. Ça, c'est génial. Ça te fera du skill up parce que je crois qu'il t'en manquait un petit peu pour ton tossi, là. Donc ça, c'est cool, tu vas pouvoir finir. Vu que celui-là, il sert à rien. Voilà, on voit une. Et je pense qu'encore une dernière, ça doit être faisable. Salut, Necha. Il t'en manque plein. Lol. 5 vélins, je pense qu'encore une étincelle, c'est jouable. Donc je pense que sur les mystiques ça va être fini. Après on a deux Light and Dark. Normalement oui, Nox. Donc, requin coursier, ça fera encore de la liming, là, pour, enfin pas liming, de li, je sais pas quoi, ou ming, je sais pas quoi. Donc ça c'est bon, on a explosé les quotas quand même, hein, au niveau des procs sur les procs d'étincelles pour 35 vélins. Littéralement explosé le truc. Donc on va faire les deux light and dark. Donc le premier, c'est parti. Premier, pas d'étincelle. Petit Camulès. Je ne sais pas pourquoi on dit Camulès. Moi, j'aurais plutôt
J'aurais plutôt dit Camule tout court, mais bon, pourquoi pas. C'est plutôt pas mal, ça peut servir. Donc pas d'étincelle sur les Light and Dark. Un petit bah tiens un petit Kuma, c'est franchement pour GB10 t'es OP là, regarde, tu vas pouvoir focus ta fusion Véromos, ta Bernard, Lucien, voilà, enfin normal quoi. C'est cool, tu vas pouvoir attaquer plus vite que prévu ton GB10. Salut joyeux troubadour, salut Sidino, bienvenue sur le stream. Et donc il nous reste deux légendaires, étincelle obligatoire. Donc on croise les doigts, un petit deuxième 5 net, pourquoi pas. Allez, c'est parti, le premier. Étincelle, on croise les doigts. Et donc non, ça sera Fria. Fria qui peut être sympa en PvP, ça peut être super emmerdant en fait. Oui, j'oublie pas les pierres, t'inquiète. Et donc il nous reste encore un petit légendaire. Allez, on y croit, moi j'y crois aux 5 nattes là, allez, boum, boum. Et non, ça sera ça sera un argent, donc t'es super content de l'avoir, mais qui sert à rien. Donc ok, et là il nous reste 4 invoques par les pierres. J'ai chopé Triton à Johan sur les pierres la dernière fois. Un petit Zeros pour aller avec ton Vérade, ça serait plutôt cool en fait. Allez. Pas d'étincelle. Ouais, pour Véro, ouais. Alors, on va essayer quand même de choper au moins une étincelle sur... sur les pierres, ça serait cool. En 4 pierres, en 4 invoques, ça va être un peu chaud, mais... Ok, et donc le dernier. Et pas d'étincelle là. Bon, de toute façon, même si on cumule le tout, on a littéralement explosé les stats. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on a tout fait. C'est dommage, il manque 5 petites pierres. Ah, t'as eu le droit à 25 000 GZ aussi, au passage. Donc, voilà. C'était petite summon tranquillou pour notre ami Mle. Donc du coup, je vais redéco, tu vas pouvoir aller faire ton skill up et compagnie. Du coup, ça te fait juste un mob de plus à skill up au passage. Donc bah écoute, hein, j'espère que t'es refait mon loulou. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est alors du coup? Je suis trop refait là. Ça, je m'en fous de ça. Lol, Slota. Bah écoute, je suis désolé hein, quand j'en fais.
Après voilà, hein, je peux pas, ça marche pas à tous les, ça marche pas à tous les coups, hein, les gens. Alors du coup, on va faire les deux petits runs vite fait sur la Toa, et puis après je vais passer sur Wok pour ceux qui veulent découvrir, hein, ou continuer tout simplement à découvrir le jeu. Donc là, ça fait quoi? Là, ça fait 35 vélins, t'as eu 2 sylphides, un Lucien, un Julien. Un samouraï. Ouais, en 4 nattes, sur 35 vélins, t'as fait 5 4 nattes et un 5 nattes sur 35 vélins, c'est énorme. Je dis ça, je dis rien, ça danse vaudou. Il fait du voodooisme. Hop, voilà, plus d'énergie, ça c'est cool. Le PVP, j'ai pas envie de le faire. En ce moment, j'ai pas du tout envie de faire du PVP. Je fais que mes rivaux. Salut Rensno, merci pour le host et salut salut à tous. Comment vas-tu? À toute Scaly, bon courage pour le taf, des bisous, ciao ciao.
J'invoque plus de temps que pas fini mes skill up, histoire de 3-4 mois, je te filerai la patate chaude à ce moment-là, si t'as pas gagné l'euro million et enfumé le div. Non, de toute façon, je joue pas à l'euro million, hein. J'ai déjà, pour te dire la vérité, tu sais quoi, même si je voulais gagner, mes finances sont tellement basses que je dois t'avouer que je joue pas. J'aimerais bien partir par contre au Maldives, ce serait cool. Ça me saoule, en énergie je chope que des meules à 4%, quoi, c'est du grand n'importe quoi. Je dégagerais bien la précis pour mettre de l'attaque pour cent sur cette rune là. À samedi, lol. Non, 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 mais de toute façon, je vais passer sur. Je vais passer sur. Sur Wok là, sur la tablette. Là, faut que je dégage la, faut que je dégage la def. Je vais dégager la def et je vais remettre encore un peu de PV. D'accord, très bien, pourquoi pas. C'est déjà 6 fois que je le fais et ça fait 6 fois qu'elle me sort le proc mini quoi. Bon, enfin bon. Donc ça c'est fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais arrêter. Je vais arrêter le DL de War of Crown. Je le relancerai ce soir. Que sinon ça plante trop et on va passer sur grand écran comme ça. C'est pas super joli mais bon c'est pas trop grave. On va passer hop sur War of Crown. Hop. Kingdom. On va peut-être éviter de laisser la zik, enfin c'est vous qui voyez. Donc bienvenue sur War of Crown.
Waouh, votre héros principal a aidé deux amis. Je suis refait. Du coup, donc c'est très sympathique, c'est très mimi, hein, comme vous pouvez voir, c'est très basique aussi, hein, y a rien de très exceptionnel. On va juste essayer d'arranger ça un petit peu, histoire que ça ressemble à quelque chose. Toi tu délires, mais hop, on va te cacher. Très bien. Et où ma poire là? Pourquoi ma cam ne marche pas? C'est nul, bou. Merci, ça fait plaisir. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une cam aujourd'hui. D'accord, très bien, pourquoi pas. Savoir où est ma cam en fait. Elle est pas là, mais. C'est quoi le délire? Ok, bon, bah, pas de cam apparemment, je sais pas pourquoi, pas. A l'air de pas vouloir fonctionner. Alors donc je vais juste changer le nom du jeu quand même sur Twitch. Hop. Voilà. Oui, de toute façon moi je vais vous abandonner juste 3-4 minutes, je vais aller me repasser mon café au micro-ondes. Je vous laisse vous installer, on va être ensemble, de toute façon à l'heure où je me suis levé, je vais pas couper pour aller miam, donc on va continuer là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, alors moi j'ai commencé il y a pas longtemps, donc j'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je pourrais sûrement vous renseigner. Donc je vous abandonne 3 minutes, je me fais couler mon kawa, j'arrive.
Gros les gens! Alors, voyons voir. Salut Kiome. Salut Aranless. Quelqu'un sur le chat peut me dire si on peut toujours avoir des clétas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un clétas. Clétas à toi aussi, Aranless. Aucune idée de ce que c'est. Mob 5 star haut en bas de ton écran. Ah, c'est... oui, enfin, c'est Clétas. Je sais pas si c'est Clétas qui s'appelle. Kalias plutôt, ouais. Merci. Un Kalias. Oui, a priori, on peut toujours les avoir. Enfin, je sais pas, moi j'ai commencé il y a 3 jours. Celui-là? Oui, c'est Kalias, ouais. Je
J'en ai fait 30 aussi, j'en ai eu qu'un seul. Par contre, j'ai eu des mobs plutôt sympas dedans. J'aime beaucoup la Miss là. Ça c'est plutôt, je l'aime bien. Lui, lui, il est plutôt sympa comme tank. Sinon, en ce moment, en tank, j'utilise Kaito là. Kalito, pardon. J'aime beaucoup la danseuse fatale aussi. Très 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 sympa. Elle est mignonne la petite musique de fond, c'est sympa. Dun, 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 dun. Lui aussi je l'aime bien Aslar. Mais très bas en PV, ah, très bas en PV je trouve. Ouais, je sais pas pour l'instant perso pour ce que j'en fais. Je viens de commencer donc je connais pas encore tous les mobs et ainsi de suite. Et puis hier j'ai farmé ma petite fée toute mimi. Du coup elle est full skill up aussi, elle est mignonne, elle, j'aime bien. Avec sa petite clochette de muguet. C'est mignon. J'étais en train de farmer des bagues, alors déjà celle-là faut que je les revende, mais j'étais en train de farmer des bagues